Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de notre incroyable aventure et galactique, évidemment toujours accompagné de Cal Kestis. Et on est parti pour la suite de Star Wars et Jedi Survivor. J'avais médité juste ici. Je rappelle qu'on revient de derrière. Et il y a un oiseau ainsi que ceci. Je ne sais pas où ça mène. On va aller voir de ce pas. Attendez, attendez, attendez. Mon instinct de Jedi me dit que... il faut prendre l'oiseau. Donc il y a peut-être quelque chose de fou là-haut, hein, qui sert. Ok, on est parti. On va faire le tour, ça doit être sûrement pour un coffre. Oh oui. Oh oui, ça c'est une petite récompense, ça. Ça c'est une petite récompense et vous savez que Bibi aime les récompenses. On n'est pas les seuls à chercher quelque chose ici. Tu crois que c'est Dagan? Pas du... Si je fais ça, ça fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, qu'est-ce qu'on a? Attendez, mais je viens d'où? Je viens de là-bas. Donc ça là, ça c'est nouveau, ça vient de sortir ça. Hein. Ça c'est high-tech. Oh, bien joué ça! Okay. Et... Lolo! Ruiné. Bienvenue, Jedi. C'est Santa écrit? Okay. Qu'est-ce que c'est? Oh, waouh! Qu'est-ce qu'on a là-haut? Encore une épreuve Jedi. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Laisse ton lien avec la Force te guider vers notre objectif commun. Tan alors. Santa écrit entraîner les Jedi pour les préparer au voyage à travers l'abysse. Ici, tu apprendras à maîtriser la matière de Kobo afin de te préparer à traverser l'abysse. La réussite renforcera encore davantage ton lien avec la Force. Ok. Je comprends, maître. Puis-je m'absenter? Tu as rendez-vous quelque part. Très bien. Reviens me voir plus tard. Merci. Je n'y manquerai pas. Ah. Là, il y a un bail avec ça, non? D'accord, non, c'est juste que ça Keblo. Merde. Ok. On peut aller ensuite récupérer ce verre. Non. L'envoyer là. Bon, attendez, il y a un bail là-haut, là, non? C'est quoi ça? Ah, c'est pour le déposer. C'est une cuve de dépôt. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, j'ai pas encore de quoi... Très bien. Très très bien, très très bien. Mais faut savoir qu'il y a des trucs là-haut aussi, hein. Putain, c'est embêtant, hein. Et merde. Je suis un monstre. Attends. Il y a moyen, ça bouge pas, ça? Oh non. Joli trouvaille. On montrera ça à Zed.
Oh non. Il est resté derrière. Ok, ok, on y retourne. Mais je sais qu'on pouvait mettre un... un plot derrière. Ok, il est là, ça va. Donc c'est une sorte de checkpoint à balls. Ça, c'est un checkpoint à balls, ok. Alors, très bien, on va pouvoir continuer. On va le mettre où, ce merdier? On va le mettre là-haut, hein, tout simplement. Voilà. Puis on va casser la gueule de tout le monde là-dedans. Ok. Tu crois qu'on peut traverser avec ce courant ascendant? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'on peut. Ça, il y a un monde où sur un malentendu, ça fait quelque chose au loin. Non. C'était juste pour ça? Il y a pas un petit secret? Et ça? Ok. Eh ben écoutez, c'est finito. C'est finito. Allez, on y va. Oh non, je suis un baiser. Je suis un baiser. Je parie que Zed peut le déchiffrer pour nous. Donne-moi ça. Prenons ce courant ascendant. Ouais, mais j'ai déconné, les gars. J'ai déconné parce que là... là, il y avait deux bails, non? Deux bails de Dubaï. On y retourne. J'ai même pas vu qu'il y avait ça, une bière. Ok. Attendez. Bah oui, c'est bouché, là. Non, je suis foutu. Ok. Attendez, attendez, attendez. Autant aller refaire un petit check vite fait, parce que le doute m'habite. Et là, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'il y a un courant qu'on n'a pas... J'ai peut-être tort, hein. Attention. Ah, c'est derrière, on le voit même pas. Ça. Ok. Ouais, on le voit pas, ok. Bon bah my bad. Tu voilà. Peux me rafistoler? J'ai eu chaud. Steam. Ok, on peut aller à gauche et à droite, c'est ça? Là je piche pas là. Pas là. Il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas. Héros ? Hey, viens par ici. Ok. Là, il y a donc une petite épreuve où on va devoir retrouver une balls. Une balls cachée là-dedans. Ok, très bien. Bienvenue, Jedi. Dans chaque monde auquel la République tend la main,
il existe des opportunités de partage et d'apprentissage. Et cette planète a beaucoup à nous apprendre. Qu'est-ce que t'as appris, Santari ? Quoi ? Et wesh ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, d'accord. Sur moi, disque de données. Qu'est-ce que t'as appris, Santari ? Mais j'en sais rien, moi, putain. Okay. Je me demande quel secret renferme cet endroit. Oh le merde. De la matière de Kobo. Il y en a partout. Oh le merdier. Là on a quoi? Ok. Broyeur de Kobo. BD1 peut désormais pulvériser de la matière Kobo sur les surfaces. Ok. Pulvériser un chemin de matière Kobo. Nous pensons que la matière de Kobo provient des profondeurs de l'abysse. Cette étrange substance est énigmatique, mais n'est cependant pas impossible à étudier ni à manipuler. Comme toute chose. Si nous la comprenons, nous pouvons la canaliser et donc la contrôler. Ok. Ils étudiaient la matière de Kobo et l'abysse. C'est comme ça que Dagan est arrivé sur Tanalor ? Ah. D'accord. Comme ça donc. Ok. Joli coup, mon pote. J'ai pas demandé d'indice. Alors ? Ok. Superbe. Z peut sûrement récupérer les données dessus. Superbe, 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 superbe. Bon bah maintenant va vraiment falloir check partout. Ok. Oh, ça va être incroyable ça par contre. Ça va nous ouvrir des possibilités de fou. Ok. En travaillant ensemble, que la République et l'Ordre Jedi pourront comprendre les mystères de la galaxie et les mettre au service du bien commun. La Force est notre guide. Ça ressemble à l'Ordre, tel que je m'en souviens. Tout ce que Kree a construit ici a été détruit par une catastrophe qu'elle n'avait pas prévue. Parfois, j'ai l'impression que l'histoire est un éternel recommencement. D'accord. Tout ceci m'embête. Comment on peut tricher comme ça? On ne peut pas tricher comme ça. C'est re-retombé. Alors attendez. Je vais prendre ça déjà. J'ai entendu Maître Kree parler de son projet pour l'abysse. Il n'est pas bon d'espionner les conversations, ni de ragoter. Oui, maître. Mes excuses. Et je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Un point d'XP. Niveau de force maximale. Incroyable par contre. Je peux vous dire que j'ai de la jauge là. Hein.
Ok. J'ai cherché trop loin. C'était pourtant simple. Allez, ça, c'est fait. C'est incroyable les possibilités qu'on a. Si je retourne en arrière, je vais pouvoir faire des petites dingues. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, ok, d'accord. Un autre de nettoyer. On devrait pouvoir utiliser le courant ascendant pour atteindre l'autre côté. Ok. Eh bien écoutez, on s'en sort plutôt pas trop mal. Oh merde, je crois qu'il voulait scanner quelque chose. C'est pas grave. On va aller ici. Ennemi en approche. Tu es faible. Sale vermine. Il est touché. Ok, alors touche-moi ça. Oh quoi? Tu sais bouger toi. Je frappe. Réfléchis bien. Tu n'as pas l'air en forme. J'opte pour la rapidité. Et on va arrêter les conneries. Fais en sorte que ça vaille le coup, Jedi. On va arrêter les conneries. Attaque. C'est bientôt terminé. Eh ben, c'est la merde, les gars. C'est la merde. Ça me coûtait cher, ça. Voilà. Ok, oh, oh, oh. Si je one-shotais pas, j'étais mort. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ça a pas l'air bien. Bienvenue, Jedi. Des ennemis de la paix menacent la frontière galactique et notre république. Lorsque nous aurons passé l'abysse, Tanalor pourrait être un bastion duquel nous repousserons cette menace. Un symbole d'espoir et de justice pour la bordure extérieure. Tanalor était plus qu'une mission pour elle. C'était le rêve d'un avenir meilleur. Ok, d'accord, j'ai compris. Superbe. Là, c'est pas très difficile. Les énigmes à la Zelda, on connaît. Ah. Alors attendez, ça passe où ça? Superbe. Qu'est-ce qu'on a là? Ah merde, c'était qu'un bonus? Non, c'est bon. On a autre chose. Let's go, peut-être de la santé. Alors, précision, nouvel avantage obtenu. Très bien, ça. On verra qu'on aura un petit point de save, n'est-ce pas? T'en as mis du temps. J'ai fait aussi vite que possible. Mon maître est exigeant. C'est bon, t'as pas à t'en faire pour ça. Pas ici. Ok. Et là... Non, attendez, c'est pas possible. Je pense pas qu'on puisse dessiner à l'infini, quoi. En plus, là, il y a de l'eau. Comment on peut faire? Peut-être en passant par l'intérieur. Pour ce projet. Nous n'avons pas à le remettre en question. Même les Padawans sentent que quelque chose ne va pas. Peut-être en passant par l'intérieur. Non, même pas, hein. Parce que dès qu'il y a de l'eau, ça nettoie le... Ok, comment on peut faire? Laissez-moi réfléchir. Il faut que j'arrive à amener quelque chose ici, ok? Ouais.
très bas, les gars. Si je fais ça. Je tente un bail, hein. Il y a moyen que ça soit même pas comme ça que c'est prévu. Hein. Il est bas. Il y a moyen que c'était même pas ça. Hein. Je pars juste en toute logique. Mais écoutez, c'est fait, c'est fait. Allez hop. Point trop, n'en faut. Ok. On va pouvoir aller tout là-haut. Et ça, c'est bon, ça. On va même pouvoir save. Allez, go. Go. Waouh. 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 J'ai failli mourir. J'ai failli tomber dans notre souffrance. Attendez, parce qu'il y a là les trucs à visiter, les gars. Je suis sûr que si on fait ça... On peut faire un petit peu d'hors-piste. Par là. On s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a forcément une dingue. Voilà. Alors, chacal. Alors, chacal. Ok. Voilà, ça nous re-ramène ici, putain. Let's go. Let's go, let's go, on a déverrouillé un raccourci de fou furieux normalement. On est de retour dans la vallée, c'est là où on avait pu recruter notre premier man là-haut, souvenez-vous. Donc on va save au calme et on va pouvoir continuer. Waouh, très content. Très 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 content. Hop. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wesh, il est où? Le frère. Il était parti où? Okay, c'était bizarre. Non, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin de toi, frère. Je regrette. Excuse-moi de t'avoir dérangé. On est reparti. Ok. Allez, superbe. Superbe. Bon, bah écoutez, on est reparti pour la suite. Alors, comment on va faire? Où était le man? Il était là. Oh. Voilà. Qu'est-ce que je pensais? Bien ce que je pensais, bibiche. Let's go. On se régale. On se régale. Petit coup de blastouz. Un bouc fourmi et moustache. C'est pas le plus beau. J'aurais bien compris. Très bien. Allez, on se casse. Let's go, mon ami. Alors, on va passer par où? Je pense sincèrement, regardez, qu'il y a quelque chose ici, non? Sinon, pourquoi ça serait là? Allez. Voilà. Let's go. Ah. Comment ça, je suis en combat? Qui veut se battre? Ok. On va montrer ça à Zed. Allez. Parfait. Un petit cuir bien rigide là. Ça fait plaisir. Vous voyez, chaque truc est toujours bon à explorer. Est-ce qu'il y a des petites dings qui s'y cachent? Et ben voilà. On va save ici. Parce qu'on sait pas ce qui nous attend au-delà de la grande cour. Par contre, j'ai bien envie de retourner... Attendez, attendez. En vrai, j'ai bien envie de retourner à zéro. Qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'on a là?
qu'est-ce qu'on attend? Ça c'est beau ça. Oh là là. Ok. Oh, bien joué ça. Ça c'était un beau coup de pied. Justin BD. Allez, t'es mort salement, mais t'es mort. Avec un sabre laser. Dagan doit les envoyer chercher quelque chose. Et on est sur la même piste. Et ben voilà. Bonne chose de faite, la familia. Ok. Imparable. Ça sent pas bon. Ça passe pas. C'est quoi ça? Encore un de ces appareils. Ah, il est cassé lui aussi. Nouvelle posture. Il arrive. Détruis-le maintenant. Non. C'était un autre des appareils de Santari. Dagan a tué les Jedi qu'il avait détruits. Je pense que ces appareils sont la clé. Rapportons ça à Maître Cordova. Ok. Elle est bloquée. Scanne-moi ça. Je crois que Maître Tapal avait celui-là. Je ne sais pas où on va. Mais on aura sûrement deux points de compétence à la fin de cet épisode. Il faut les retenir. Attention. Je ne peux pas. Ah, ressentir l'écho, bah oui. Mais non, mais c'est le même. Ok, c'est le même. Il arrive. Détruis-le, maintenant. C'est totalement le même. Désolé. Non. Cette fenêtre mène à l'extérieur. On devrait ramener ça sur Jedha. Serré et Maître Cordova seront sûrement intéressés par mon effet. Ok. Qui a dit attendez? Ah mais non, c'est l'écho encore. Ok. Écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. On va aller prendre celui qui est un petit peu plus en hauteur. Étant donné que je ne sais pas où il mène... Et il y a un truc qui est en train d'exploser la planète là-haut comme toujours. Mais là, on a toutes les choses intéressantes. On a mené les enquêtes et on a récupéré les appareils. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses lors du prochain épisode. À bientôt tout le monde pour l'épisode 20. Bisous, bye bye. On s'arrête.